J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir là. Ouais, ok, je me suis fait avoir. En fait, ce truc-là, il m'a fait redescendre tout en bas. Donc... Ah, attendez. Non, 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 il m'indique bien que c'est en haut, donc... Je l'ai là. Il est là. Oh, purée. Ok, alors attendez, hop. Concentre-toi sur lui. Bon. Allez-y, vous avez 40 secondes pour me tuer, voilà. On va attendre que tout le monde revienne en place. Je suis arrivé un petit peu comme... Voilà quoi. Bon, lui, je peux me le faire. Ok. Je surveille la vie de mon démon. Excusez-moi. Voilà. Ok. Pourquoi il... Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi j'ai pris... Pourquoi j'ai perdu autant de vie alors qu'il visait mon démon? Et je suis à l'étage d'en dessous et je vais pas pouvoir remonter. Si, non, peut-être. Ok, en fait il est juste en dessous, il est là. Ok. Bon, on va commencer par les sous-fifres. Ouais. Pas si facile que ça, mais apparemment va falloir que je m'éloigne de lui. Bon. On va la retenter juste avant. Histoire d'être sûr. Et on est reparti. Donc je vais essayer par contre c'est de me tenir vachement à l'écart. Le plus à l'écart possible.
Mais oui, il est en train de me drainer. Il est en train de me drainer à distance. C'est quoi ce délire? Comment ça se fait alors que... Oh non, puis ok, d'accord. Puis il a encore toute sa vie en fait. Ouais, il est pas faisable. Allez, ok. Il est carrément pas faisable. Allez, salut. Au revoir, hein. J'ai rien en dessous. C'est ça? J'ai crevé. J'ai crevé. Ok. Je pensais qu'il y avait au moins de la flotte en dessous, mais c'est pas grave. Hop. Bon. Putain, mais c'est pas possible. Mais il a le focus sur mon mâchoire du vide et c'est moi qui prends les dégâts, ça a aucun sens. Ah, galère, la galère, la galère. Bon, ok. On va essayer l'autre 4K à côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Détruire des antres et des Eredar à tuer. Ça a la même récompense, hein. C'est juste que voilà, vu que c'était plus des mobs à tuer, je me suis dit, voilà, là il n'y a qu'un boss, ça serait rapide. Mais non, hein, carrément pas, il est trop chaud. Bon. J'ai pas de démon. Ah oui, alors l'avantage c'est qu'ici je connais. Voilà. Donc déjà ça c'est fait, les quatre entrent. Et ensuite il n'y a plus qu'une dizaine de petits de mobs à tuer et on est bon. Bon, même si mon marcheur il meurt, c'est pas grave. Voilà. Je vais le réinvoquer.
Donc ici, ben, il n'y en a plus. On va redescendre. Ok, lui il est déjà revenu. Oh. Alors, je suis embêté, mon marcheur du vide. Ouais, ok. Il est parti aggro, l'autre qui est là-bas. Ok, ça fait 6. Donc il en reste 4. Est-ce que par ici on a quelque chose? Non. Il y a un hôtel là, mais il sert à rien. Et plus que deux, et on est bon. Ben voilà, c'est bon, on a nos deux. Ouais, c'est bon, elle s'en sortira pas. Ben voilà. Et donc, j'ai un anneau. Alors, j'ai un anneau qui vaut mieux que je mette à la place de... Ouais, à la place de... Ok. Hop. C'est celui qui a un niveau 131, c'est le deuxième. Hop, à la place de celui-là. Mince. Ok, on se tire de là et on va voir quelle quête on fait par la suite. Donc, parce que je regarde un truc, mais bon. Alors, ici, donc il y a un autre anneau, mais de toute façon, c'est le même que celui qu'on vient d'avoir, donc ça sert à rien. Là, il y a du pognon, là, il y a des essences d'éveil, mais on s'en fout. Ouais, là, c'est ok, c'est la quête. Voilà, il y a du sang de Sargeras, ça récupère ici, mais on s'en fout. Ok, ensuite, ici, on a quoi? On a un pendentif, mais qui est pas mieux que ce que j'ai. Ah là par contre on a un autre anneau.
Et apparemment, ça a l'air d'être plutôt simple. Enfin, ça a l'air d'être une quête assez simple. Donc, on va chercher cet anneau, à mon avis. On a. Si on peut avoir. Alors, on va retenter un truc. J'espère qu'on va pas mourir. Si on décède, ça va pas le faire du tout. Ouais, non, excusez-moi. Hop. C'est bon. Alors, je suis où? Ok, je suis là. Je suis juste. Oui, donc évidemment, c'était le plus proche. Et donc, on va aller. Azeroth ne doit pas tomber. Là. Ne... D'accord, ok, c'est parce que j'ai les épaulettes qui sont parties. Ah non! Ok, j'ai des épaulettes qui sont en train de revenir. Des épaulettes qui ont pas été vendues. C'est pas grave, je les vendrai à des marchands plutôt. C'est des épaulettes que j'ai fait pour ma couture. D'ailleurs, oui, on va juste voilà, se poser comme ça rapidement. Donc, ma couture. Voilà, Légion, je commence à progresser un petit peu, je suis à 51, je vous rappelle qu'il faut 60 pour pouvoir avoir les bandages de niveau 2 et après ça sera tranquillement. J'hésite en fait à continuer en fait à faire des épaulières, mais... Voilà. Après le secret de Draenor, bah, j'en fais tous les jours, j'en fais un. Donc voilà, j'en ai déjà 5, donc je peux déjà racheter un autre patron de Draenor. Mais parce que maintenant c'est plus que les patrons qui valent 5 secrets. Mais je vais attendre d'en avoir 20 et puis je vais acheter tous les secrets, enfin tous les patrons qu'il me manque d'un seul coup. J'ai pas vu mais. J'ai pas reçu d'expérience. Toutes les quêtes ne rapportent plus de l'expérience. Ou alors c'est parce que j'avais déjà fait cette quête. Et cette quête-là, en fait, la quête qu'on vient de faire, je l'avais déjà fait il y a. Ben, dans les jours précédents, mais. Donc apparemment. Ok, donc apparemment, quand une quête a déjà été faite, elle rapporte plus d'XP. Alors ça, c'est bon à savoir. Donc c'était quoi déjà que je devais faire sur cette quête? Ouais, c'est ça, ok, hop. Et tu veux bien charger, s'il te plaît? Voilà. Alors.
C'est l'air d'être ça. Cristal de mana ancestrale. Ah, attendez. Ok. J'ai reçu du mana ancestral. Je sais pas trop ce que je dois en faire, ce que je peux en faire. Ok. Alors par contre, apparemment, la quête que je vise a l'air d'être plutôt là-dedans. Je sais pas trop, je suis assez dubitatif là. Ok, il y a une prêtresse là, mais... Ok. Oh putain. Hop. Bon bah là, c'est quoi ce foutoir? Pourquoi les autres ont pris l'aggro? Aïe 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 aïe. C'est pas clair leur truc. Quand y a trop de quêtes qui se chevauchent comme ça, c'est le bordel. Là j'ai tout un nid quête. Résultat, je sais pas laquelle faire. Bon, écoutez, je suis loin là, je crois. Bon, je suis pas si loin que ça. J'ai pas arrêté de mourir pendant cet épisode. C'est un peu nimp. Hein. Pourtant, putain, 18 000 points, 19 000 points de vie, honnêtement. Alors attendez, moi je propose c'est qu'on explore en tant que fantôme. Donc ok, ça a pas l'air d'être là. Ok, ensuite faut prendre ce couloir là visiblement et c'est à gauche, c'est ça? Et mon objectif est là. Ça a l'air d'être ça qu'il faut que j'alimente en... je sais pas trop quoi avec les cristaux qui sont là. Donc on va... Ok, alors est-ce que je peux cheater un petit peu et ressusciter à travers le mur? D'accord. Alors... Bon, je peux pas, mais de toute façon ça semblait être une mauvaise idée. Ok. Alors c'est le bordel parce que il y a plein de mobs en fait.
Mais clairement, l'objectif que je visais a l'air d'être là. Ok. Bon, les prêtres, on va éviter de chercher la merde, mais... fait, j'ai l'impression que quand elles sont low vie, elles peuvent appeler des renforts. C'est l'impression que j'ai eue sur la fin, en fait. Bon, là, ça s'est plutôt bien passé. Ok. Bon, on progresse doucement, mais on va y arriver. Ok. On va y arriver. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre? Ok, alors j'ai augmenté en pourcentage, mais est-ce que c'est lié à aux cristaux que j'ai récupérés? Non, ok, d'accord. Ah bah oui, je suis con, ok. Non mais c'est bon, on fait, ok. Bon, je vais quand même récupérer ça. Ok. Voilà. On n'en parle plus. Ok, donc par contre, l'inconvénient, les quêtes qui me rapportent de... les quêtes qui me rapportent du stuff me rapportent pas d'XP.
Ok, oui, hein, c'est bien ce que. Ouais, c'est ça. J'ai quoi d'autre en stuff là éventuellement? Non, j'ai que dalle. Alors là, le problème, ça va être pour rebrousser chemin. Écoutez, je vais pas me faire chier. On va faire ça comme ça. Alors. D'accord, ok. Par contre, il a pas aimé le chargement pendant que j'étais sur la map. Ok. Ouh, il a pas kiffé le jeu là. Il a pas kiffé. Attendez, je vérifie autre chose en attendant. D'accord. Ah oui, alors attendez. Hop. Bon, ok. Excusez-moi, je regarde aussi autre chose en même temps. Bon, ça charge ou pas? Bon, attendez, je coupe le temps de chargement là parce que. Bon, me voilà de retour. Donc, je suis à Dalaran, hein, c'est juste que. Alors, j'ai quoi là? J'ai. C'est quoi ça? Relique du sacré. Non, c'est encore un niveau d'objet plus 8. On a des gants là. Ouais, on a des gants qui sont pas mal. Ah ouais, d'accord, ok. Là par contre, on a. C'est quoi? C'est des épaulières ça? Ouais, c'est des épaulières. C'est des épaulières qui sont. Alors, on perd en critique. Ah, mais je sais pas. J'ai pas envie de perdre en critique, honnêtement. Bon, on a des gants qui sont intéressants et on a ces épaulières. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, ça c'est ça. Voilà. Donc il y aurait éventuellement ces deux quêtes-là. On a quoi? On a l'apothicaire Faldren à tuer. Et ici, on a Diflétri à tuer. On prendrait le fly pour Meredrill. Même pas, hein. On peut y aller par nous-mêmes en fait. Hop, on va faire ça comme ça. Donc en fait, Dalaran. Ouais, alors ok, oui. Alors. Évidemment. On va faire. On va faire aussi autre chose tant qu'on y est. Ouais, ok. Bon, je récupère tout ça. Je vérifie, hein, mais ça, non, ça c'est pourri. Hein. Ouais, ça c'est pourri. Je suis en train de regarder, mais en fait, ça c'est pas. Bah non, ouais, non, c'est. Cela serait mieux. Bah, attendez, parce que j'ai créé des épaulières qui seraient mieux. Pas celle-là. Celle-là. Ceux du vent, loup de givre sont mieux que du sang égal que j'ai là. Hop, ok. C'est le même niveau d'objet en plus. Bon, zut. Ça rame du cul.
Bon, allez, on va aller tuer les flétris, puis après on ira voir le boss en espérant que celui-là il nous mette pas une raclée. Donc là aujourd'hui, voilà, ce sera épisode stuff. Hein. C'est pas. On va pas forcément augmenter de niveau malheureusement. Mais j'ai besoin de stuff, hein, clairement. J'ai besoin de beaucoup plus de résistance et de faire beaucoup plus de dégâts, quoi. Et c'est à ça que me sert le score critique, hein. C'est pour ça que le score critique, faut vraiment que j'augmente. Parce que quand je regarde mes stats. Ouais, j'ai 18% de coups critiques, c'est pas ouf, hein. Pas ouf mes stats. Mince, voilà. Tous les téléporteurs fonctionnent de la même façon. Servez-vous-en pour trouver l'équipement. C'est quoi ça? Pierre de sort. Oh! Attendez. Ah, d'accord. Attendez, parce que ça va peut-être être plus simple qu'il n'y paraît. D'accord, ok. Ok, on peut faire ça comme ça. Je dois m'approcher. Attendez, parce que j'ai un truc là. J'ai une autre quête là, mais pourquoi lui il a pas pris son sort? Bon, lui il a pas pris son sort, je vais le buter. Non, ça a pas marché. Ça marche pas avec tous. Attends, c'est chelou. Et il m'indique bien que c'est bien eux, mais. Ok, ça marche pas avec les buveurs, ça marche qu'avec les charognards. Alors ok, faut. C'est un peu bête.
Et ben voilà. Bon travail. Je ne doute pas que chacun d'eux serait fier d'aider notre cause. Alors, on a récupéré donc des épaulières qui sont beaucoup mieux que ce que j'ai. Et on va essayer d'aller récupérer les... Ah non, c'est les épaulières aussi, ça, merde. Non, c'est des gants. Excusez-moi. C'est des gants qu'on vient de récupérer. Et là, on va aller récupérer les épaulières. C'est ça. Donc, c'est des gants qu'on vient de récupérer. Ouais. Et donc, voilà. Et donc là, on a des épaulières qui sont mieux que ce que j'ai créé avec la couture. Bah écoutez, why not, hein. Je regarde juste rapidement. C'est quoi qu'il y a en bas? Il y a un bijou en bas avec du score critique. Purée. Ouais, il me faut ça, puis je le mets à la place de ma plume fautive. Je garde mon passe-partout parce qu'il a plus 33 d'endurance, mais je ferai passer mon deuxième bijou de plus 22 à plus 38. Il y aurait celle-là. Et donc, c'est quoi la quête à faire? C'est libérer 5 souffre-nuit. Eh, en plus, ça peut se faire rapidement, ça. Ok, alors on va essayer celle-là rapidement et après on se dirigera vers celle-là parce que clairement il y a un bijou intéressant à récupérer. Comme ça on se stuff avant On finira par l'extension évidemment Battle for Azeroth, mais je vais m'attarder un petit peu sur Légion parce qu'on a fait quand même que assez peu d'épisodes, j'ai l'impression, dessus. Puis ça avait mal commencé avec le bug qu'on a eu. Merde, je suis parti trop loin. Ah, c'est con, les souffrenus libérés, c'est juste là, mais bon, c'est pas grave. Ok, oui, si, il est là, ok. Il a l'air d'être là. ,000, c'est un semi-élite. Normalement, ça devrait le faire si t'as pas à 2000 ou truc du genre. Par contre, je vais réinvoquer mon marcheur. Je vais réinvoquer mon marcheur. Et je vais quand même prendre en sécurité ma pierre d'âme. On sait jamais. C'est parti. Allez, je vais lui envoyer du dot, hein, parce que... Hop. Ah d'accord, ok. Oula là là, pourquoi le héron il m'attaque là? Attendez, faut vraiment que lui meure par contre. Non, faut vraiment que lui meure.
Pour le reste, je m'en fous, faut que lui meure. Voilà, c'est tout. Oh, ce truc de merde. Bon. C'est pas grave, mission accomplie, même si... D'accord, ok. Alors ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Ça, j'aime pas du tout parce qu'on apparaît dans un endroit, une espèce de labyrinthe, et on peut et pour retrouver la sortie, ouais, si ça va aller. Donc, d'accord. Bon, je dois juste traverser une partie de la ville. Oui, d'habitude je coupe à chaque fois que je résume, hein, mais bon, là ça va, les limites, les trajets sont pas trop longs, donc ça va. Et donc j'ai gagné 5000 d'expérience en faisant cette quête-là aussi, mais bon. Non, mais je m'attendais pas à ce qu'il invoque des... Et franchement, ils ont des comportements chelous, hein, les boss de Légion. Ils invoquent des démons, comme ça, quand ils deviennent low life. T'as des hérons qui viennent foutre la merde, enfin c'est... Merde. Oh non, mais j'y crois pas. Barrez-vous! Oh non, mais c'est pas vrai! Oh putain, le bordel! Aïe, 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 aïe! Bon, ça ira pour le reste de ma vie. Bon, on va aller se faire cette quête-là. Mais je suis réapparu juste devant un garde comme un idiot, quoi. C'est quoi ça? Ouais, j'ai vu qu'il y avait un point d'interrogation bleu là, mais j'ai comme un doute. Alors j'ai comme un doute, c'est un point d'interrogation bleu, c'est que du pognon, mais... Est-ce qu'on le ferait pour l'XP? Allez, on va le tenter parce qu'il est sur la route, quoi. Je le sens mal. Je sais pas pourquoi, je sens que j'ai encore crevé. Ça lag un petit peu. Alors ça lag, mais en même temps je sais que j'ai un upload en cours derrière. Ça tourne plutôt bien malgré l'upload que j'ai derrière qui tourne. J'ai un épisode de BBS en fait, hein, qui est en train d'être envoyé. Donc écoutez, ça a l'air de tenir. Mon marcheur il prend un peu cher, mais
Mais ça a l'air d'aller. Je vais réinvoquer mon marcheur quand même. Ok. Mais non, par contre, je gagne plus d'XP avec les... Ou très peu. Je gagne très peu d'XP avec les... Qu'est-ce qu'il me fait? Bon. Bon, voilà. C'était juste... Voilà. Laisser pour mort. Hop. On va... On va libérer des souffre-nuits. Ok, donc je vois là où il y a des choses à activer. Et là-bas, par exemple. Hop. On va commencer par ceux qui sont le plus isolés, histoire de limiter les risques. Vous êtes sur une monture, ok. D'accord, et il m'en a compté deux. Bon, ça c'était une... Alors attendez, parce qu'on va quand même profiter un petit peu du stuff que j'ai récupéré. Je sais même plus si j'ai équipé les polyarmes, mais si j'ai récupéré. Donc voilà, donc on a ce bijou. Et donc je voulais mettre à la place de la plume, hein, c'est ça. Et donc, je passe à 19% de score critique. J'ai gagné 1%. C'est pas trop mal encore. Donc ici, essence d'éveil, on s'en fout. Ici. Ah, j'ai un truc pour la tête ici. Mais ça a l'air d'être un mec gardien Tor-El. Mais eh, ouais. Plus 5 d'endurance, plus 1 d'armure, quoi. Puis je gagne quasiment 10 points de... 10 niveaux d'objets sur la tête, quoi. On verra. Le pendentif que là il est nul. C'est quoi ça? C'est une bague, ok. Ouais, mais j'ai ce qu'il faut en bague. Ouais, j'ai clairement ce qu'il faut en bague. Donc c'est pas intéressant. Le pendentif ici, j'ai dit qu'il était nul. Ici, j'ai un truc, ouais, mais voilà, c'est pour les reliques, donc non. Donc il y aurait éventuellement encore celle-ci. Mais c'est un boss et les quêtes en bleu, elles sont généralement chaudes, quoi. On va juste aller voir la gueule qu'il a. On va juste aller voir la gueule qu'il a. Voilà. Si je vois qu'il a trop de vie, que c'est même un élite simplement, qu'il n'est pas semi-élite mais élite, on n'ira pas et puis c'est tout. Ou si je vois qu'il est vraiment trop entouré de mobs. Attendez, et tant qu'il suit là. J'ai oublié, mais...
va se concentrer là-dessus. Alors, est-ce que c'était déjà le mec aussi qui était qui n'apparaissait pas Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être un mec qui est absent de toute façon du de la zone. Ouais. On est déjà venu ici et il apparaît pas le mec en fait. Sa quête, elle est réinitialisée quand lui? Dans 8 heures, ok. Bon, bah écoutez, on va aller à Tornheim. On va voir un petit peu ce qui se dit à Tornheim au niveau quête. Quête de stuff. Et des ressources de domaine. Mais je crois qu'on l'a fait ça. Armes volées récupérées. Bon, il y aurait ça à faire éventuellement. Là, on a une relique de feu. Là, on a des trucs sinistres, ok. Donc, ici, visiblement, à part quelques... Ah, ouais, mais c'est un élite. Alors là, il y a un élite à tuer. Attendez, je regarde. Ah, il y a ça. Il y a un élite à tuer qui a des... Ah, des épaulières, mais des... Putain, c'est mieux que les épaulières que je viens de récupérer. J'ai récupéré des épaulières à l'instant, je suis pas fou. Attendez. J'ai bien dit qu'il y avait des épaulières quelque part.